Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve, on est samedi matin, J-1 avant la compète. Du coup, je me suis pesé ce matin, 81,9 kg. Donc ça fait que mon corps, il aspire mais vraiment tous les glucides qu'on lui donne. Donc aujourd'hui, ça va être une grosse journée en calories et en glucides. Et je pense même que Flo va modifier la diète ce matin en voyant justement mon poids. Donc, petit déj qui se compose de riz soufflé, une compote, un pain enzyme, banane, un Snickers, et oui, quelques figues sèches et des œufs. Donc voilà, donc j'ai préparé tout ça, et après, on se retrouve juste après les amis. Et hier, du coup, quand je suis allé faire des courses, j'ai vu qu'il y avait un barbeur juste à côté, donc je pense que je vais faire un tour pour justement être tout clean pour demain. Malheureusement, j'ai pas les œufs de Roi Nutrition, donc je suis obligé de gaspiller des œufs entiers. Mais bon, ça va, j'en mange pas beaucoup. Très important la spatule. Pour être un bon cuistot, il faut avoir un bon équipement. Oula! Bah, j'ai bien fait de filmer ce petit déj, les amis. Comment vous dire que finalement ça va se finir en œufs brouillés, je pense. Ouais, bah. Tant pis. C'était pas ce qui était prévu. Hein. Les aléas du direct. Hop, allez. Tout ça là-dedans. On va se faire un boulou-bibouga, je sais plus comment on dit. Hop, on va tout mettre là-dedans. On va pas s'embêter. Ça, c'est une première depuis maintenant. J'ai d'habitude, j'ai de l'ISO. Et du coup, bah, c'est plus simple. Ça me fait des céréales. Mais là, j'espère que je ne vais pas m'étouffer. Je vais mettre la compote pour amener un petit peu de fraîcheur. Le mec, il parle pas comme si c'était un grand chef. Philippe Etchès. C'est bon le goût? Ouais, franchement. En plus, moi qui aime la cannelle, c'est vraiment top. Non, franchement, c'est une bonne découverte. Bien fait d'acheter ça. Hop. Hop, du coup ça, j'ai pas trop envie de le mélanger avec, avec des aliments que j'aime. Bon, attaquons, et vous voyez quand même, les quantités que ça fait, c'est... Mais ce qui est bien franchement avec le riz soufflé, c'est que comme ça, ça prend de la place, mais dès que vous le mangez, franchement dans l'estomac, ça prend zéro place. Donc c'est vraiment très bien. Ça se digère super vite, super bien. Donc, c'est petit tips. Pas mauvais, hein. Un peu sec. Mais bon. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, le mieux, c'est de ne pas connaître, en fait. Achetez-en juste pour une fois pour goûter du pain Azim. Croyez-moi que 95% de vous, vous allez en acheter une fois et vous n'allez plus jamais en racheter. Bon, let's go. Qu'est-ce que tu fais? Une innovation. J'ai mis mon pré-training, donc crème de riz, iso et cookies au congèle. Pour avoir une espèce de petite crème glacée, voir ce que ça fait. Parce que du coup, chez moi, je fais ça au frigo, parce que mon congèle, il est mort. Mais bon, du coup, vu que là, j'ai un congèle, bah, j'en profite et j'essaie de voir un truc. Et franchement, ça me fait une petite mousse, vraiment. Une petite crème, là, ça va être vraiment pas mal. Du coup, pré-training, on mange ça et on va aller, on va directement Il Corrillo Doué. Je commence à être bon. Pour la dernière séance de avant le show, donc ce sera encore une séance pump d'une demi-heure maximum, histoire de ramener encore, pareil qu'il y a de ramener les glucides, de pumper, et voilà. Bon allez, je m'enfile ça, et on va à la salle. Yo tout le monde, on est de nouveau au gym, donc encore une séance pump. On va changer un peu les exotières, on va bosser vraiment beaucoup sur des machines. Du coup, machine que je n'ai pas fait hier, on va faire celle-là, donc incliné. Pour les pecs, après on va faire les épaules, on va faire le rouge juste à côté, ici.
après on passera au bruit pour faire les bras et les... du coup les biceps et les triceps. En tout cas, j'ai juste fait une petite série un peu partout et c'est mortel. Franchement, l'angle, il est très bien, le converge, enfin... J'ai venir habiter en Italie, je crois. Voilà. J'ai quitté Paris pour venir vivre à Rome. De retour à la maison, du coup on est parti faire quelques courses pour ajuster la diète vu que le physique change de minute en minute, d'heure en heure. J'ai acheté des glaces, des bananes, des cookies et puis voilà. Donc là on est sur le repas post-training, donc là on est quand même assez clean, donc riz, bœuf, une compote, un pain enzyme, des figues sèches et un peu de ketchup. 100% sucre. Et tout se passe bien, le process se passe bien. Là, je commence à me re-remplir doucement, mais sûrement, on va dire. Donc en espérant que ça continue comme ça, qu'on garde la qualité, et voilà. Bon, sur ce, je mange, et puis je vous dis à tout à l'heure pour de prochaines aventures. Yo tout le monde, bon, visite traditionnelle de l'appartement. On est samedi, je sais. Ça fait déjà 2 jours et demi qu'on est là, on l'a toujours pas fait avant parce que jeudi c'était une galère etc, donc on s'est dit on va le faire demain et de fil en aiguille on ne l'a jamais fait. Donc je vais vous présenter notre palace, suivez-moi. Donc ici, première pièce de la maison, donc la pièce à vivre, donc nous avons la salle à manger et salon. Donc comme vous avez pu le voir, on a fermé parce que ici il fait vraiment très très chaud et si on laissait store ouvert, ça va être compliqué, surtout que la clim elle donne juste d'un seul côté, donc vers les chambres. Bon après c'est pas plus mal, au moins on dort au frais. Hop, derrière vous, on a la cuisine, le cœur de la maison. Donc cuisine, tout équipé. Le seul truc qui manque, c'est un micro-ondes. Ça franchement je comprends pas comment en 2022, on n'a pas de micro-ondes. Mais bon, on arrive toujours à s'en sortir pour faire ce qu'on a à faire. Donc voilà, les petits espaces. Après ici on a une petite terrasse couverte. On va jamais parce que je cache pas que la chaleur est à basse. Et après, on a la salle de bain. Avec le miroir et la bonne lumière qui va bien. Ici, on a la chambre de Pierrot. Donc rien de fou, franchement, on a ce qu'il faut, franchement, c'est pas le grand luxe, mais on n'a pas un splum pour les quelques jours où on est, franchement, ça suffit largement. Et après, voilà la suite de la maison. Donc, voilà, c'est ici où le champion se repose avant d'aller soulever le trophée demain. Enfin, j'espère en tout cas. Des cadres magnifiques d'écureuils et de cerfs. Voilà. L'appartement dans lequel on séjourne durant ce petit séjour justement à Rome. À savoir qu'en fait, ça a été construit pour les Jeux Olympiques de 1966. C'est ça qu'on a regardé ce matin ? 60. Donc c'est pas tout jeune. Et justement, ils avaient construit ça pour justement accueillir toutes les personnes des JO. Et depuis, c'est devenu des résidences. Minute histoire. Bon, voilà, tour de la maison. Il va bientôt être l'heure d'aller manger. J'ai pas de montre, mais je le sens. Donc on va aller manger et on se dit à tout à l'heure. Malheureusement, je vais pas pouvoir manger de pizza ce soir. Voilà. Dans ma diète, il l'avait prévu depuis 2-3 jours. J'habite depuis 2 jours. Donc moi je m'étais préparé psychologiquement. On avait même trouvé le lieu ici pour manger. Regardez avec le four à pizza là-bas dans le petit camion. Et malheureusement, au dernier moment, il a changé les plans
Donc c'est avec grande tristesse que je ne mangerai pas de pizza ce soir, pas de pizza italienne. Mais bon, si on veut gagner, il faut faire les choses carrées. Donc c'est pas grave, on va rentrer, on va manger du bœuf et du riz, et demain on va essayer de gagner. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se prépare? Du coup, il se prépare le repas numéro 6. Donc, j'ai deux œufs entiers, j'ai du bœuf, du riz, une banane. Et après, on rentre dans la chose intéressante, j'ai un donut et j'ai aussi de la glace. Voilà, voilà. Donc les gens, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, il faut manger clean, il faut manger ce qu'on a l'habitude de manger pendant la prépa pour bien digérer, bien ci, bien ça. » Il n'y a pas de science exacte, on vous dit, vous savez. Ce qui marche sur moi ne marche pas sur toi qui regarde la vidéo. Et inversement, ce qui marche sur toi ne marche pas forcément sur moi. Donc en fait, il suffit juste de trouver ce qui correspond à chacun. Et c'est tout. Parce que j'entends beaucoup dire « Ouais, la junk food, c'est de la merde, etc. Ça sert à rien, les gens qui font ça, c'est pas une chose d'Américain. » C'est pas la question. Il y a des physiques qui réagissent plutôt bien à certains types d'aliments et d'autres non. Il suffit juste, comme je disais, de trouver justement ce qui correspond à chaque physique. Et voilà. Nous, on sait qu'en tout cas, le mix de la bouffe clean et de la bouffe un peu plus sale, ça marche du feu de Dieu. Donc écoutez, on va pas arrêter un truc qui marche parce qu'il y a les experts du Woody qui disent qu'il faut manger que du riz, du poulet et des trucs sains. Donc voilà, bah, je finis de préparer ça et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. Yo! Comment ça? Bien dormi? J'ai oublié, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, préparation du petit déjeuner, du repas 1 du grand jour, ça y est, on est dimanche. Il est exactement 5h43. Du coup, dimanche 26, comme je disais, c'est le jour de la compète. Les derniers réglages sont effectués, il y a juste aujourd'hui à se remplir doucement avec des choses faciles à digérer et qui prennent pas beaucoup de place dans l'estomac justement pour garder un maximum le vacuum et un ventre plat parce que surtout en classique c'est super important. Donc là ce matin, moi aujourd'hui ça va vraiment se baser que sur la crème de riz, du riz soufflé comme je vous ai montré hier et l'indispensable du body, des galettes de riz. Donc voilà, vraiment ça va se baser là-dessus. On va essayer de manger toutes les deux heures, faire pas mal de petits repas, mais vraiment des petits, mais très très rapprochés, enfin très rapprochés, plus rapprochés que la normale. Et puis voilà, sinon après cet après-midi, on va se diriger tranquillement vers le TAN à 15h. Donc là, on a encore toute la journée pour manger, se reposer à l'appart. En plus, le Cine Studio, donc le lieu de la compète, et à 5 minutes à pied, même pas hier, on est parti voir. Donc ça, c'est vraiment top. Du coup, on va y aller à pied, on va pas se casser la tête à prendre un Uber ou quoi que ce soit. Donc voilà, bah écoutez, je vais finir de préparer ça. Et puis, on vous dit à tout à l'heure. Bon, ça y est, c'est l'heure d'aller au lieu de compète. Donc là, on va juste faire 2-3 petites courses, histoire d'acheter le dernier truc pour le pump, etc. Donc on y va, ça a 3 minutes à pied. Donc c'est parti, en tout cas j'ai hâte d'y être, de me poser, à 15h j'ai le TAN, donc on va vous montrer tout ça, allez, on y va. Bon, au moins c'est vachement frais ici, c'est pas comme à Alicante. Bon maintenant, le compliqué c'est de se trouver un petit endroit. On va essayer. Bon, il est 14h30, donc à une demi-heure de ma première couche de TAN. Donc comme vous pouvez le voir, on est bien arrivé en avance, il n'y a pas de problème, on ne fait pas comme à Alicante. Et du coup, j'ai hâte de me faire tanner pour voir justement le physique, parce qu'on sait que tanner et non tanner, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, j'ai fait un check là pour Flo, avec une bonne lumière, je suis vraiment satisfait. Donc hâte de voir en étant tanné ce que ça va donner. Sinon pour l'instant on se repose, je suis dans ma bulle avec mon petit son et advienne que pourra.
du repas, du dernier repas avant de monter sur scène, même si je ne vais pas monter tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai été tanné. Non, comme j'ai pris mes deux tours, j'ai fait mes deux couches de tan. Malheureusement, Pierre n'a pas pu filmer parce qu'il n'y avait que les athlètes qui avaient le droit d'accéder aux salles de tan. Du coup, là, on est dans le hall de la boîte parce qu'il fait hyper chaud là-haut. Et le seul moyen de sécher et de ne pas transpirer, c'est d'être en bas. Donc voilà, là, on est tranquillement ici. Je fais mon dernier repas. Et après, on va remonter une fois que les amateurs vont partir. Ça fera un peu plus d'air, ça fera un peu plus de place. Donc voilà, tout le monde physique qu'il est au rendez-vous. Franchement, je suis vraiment content. Et on verra sur scène ce que ça donne. Mais en tout cas, content du taf qu'on a fait. Maintenant, plus qu'à se reposer, assurer sur scène et s'amuser surtout. Allez, à tout à l'heure. Si je suis premier et il comparait beaucoup les deux Italiens, le Renault et Emanuele, ou si justement il comparait eux deux pour 1 et 2 et moi je suis troisième. Donc je sais pas. En tout cas, first call out, je suis dans les 4 premiers, je pense faire un podium minimum. Donc c'est de bonne augure. On attend de voir la suite et puis à tout à l'heure. Bonsoir.
Alright, thank you, DJ. Let's take the second place award, the second place medal. That second place check for 1,500 euros and present it to your second place finisher. From Italy, Emanuele Ricotti. Come on! Let's fucking go, man! Ladies and gentlemen, let's go! We have a winner. Barba, let's take that first place check for 3,000 euro. The first place award, the gold medal. The title of 2022 Charroux Classic Italian Classic Physique Champ. Yep. And the ticket. Yep. To the 2022 Joe Wieters Olympia Fitness and Performance Weekend. Yep. To your winner from France. Let's go! Marco Ruru. Come on! Let's go! Light work! Let's hear it for your top five Charroux Classic Italian champs. Let's go! Ladies and gentlemen, there you have it. Let's get for our Shanti. Stay. Emily, let's stay for our top five photo. All right, let's have our winner's photo. Marco. All right, Marco, let's remain for your winner's championship photo. All right. Of course, mandatory, we got to interview the champion. Let's just hope his English is better than my French. Marco, English, French? Oh, French and Spanish and English? A little do for me, man, that'll do. Well, listen, my friend, congratulations. You are the 2022 Charroux Classic Italian Classic Physique Champ, and you're going to the O. How are you feeling, bud? I'm so happy. It's amazing. Sorry, I speak Spanish. La verdad es que no me lo esperaba. He trabajado mucho tiempo este año para esto. Y ganar hoy, pues, es increíble. La verdad es que no me doy cuenta. And I'm so happy to compete in Vegas in December. And see you in Alicante, step by step. Perfect! Please welcome your next top 10 competitor from the USA, Barack King! Bon bah, voilà! Bonne chose de fête! Bonne chose de fête! Yeah, no problem! To break the top 10 from Switzerland, Kenny Perriman. Bonne chose de fête. Allez, Kenny! Du coup, bonne chose de fête. Voilà, je suis très content. Je suis encore sur le coup d'émotion. Mon rêve perso, je sais pas trop quoi dire. C'est le numéro combien, ça? Numéro 8, ça y est. Ah, j'avais pas de numéro petit jusqu'à présent. Là, c'est officiel. Numéro 8, c'est mon numéro. Là, je sais pas trop quoi dire, franchement, je suis encore sous coup d'émotion. Franchement, j'ai du mal à réaliser qu'on va putain à Olympia. Please welcome your next top 10 competitor from Seoul. Et du coup, je disais, bref, je sais plus. Allez, on se voit tout à l'heure. Du coup, là, on va voir Tyler Mannion, donc le head juge et le vice-président de la fédération de l'IFBB, de la Pro League, pour avoir le feedback, justement, savoir les points à améliorer pour les prochains shows et pour espérer faire un top 10 à Olympia. On va dire un top 10 parce que c'est déjà énorme de faire ça. Donc voilà, on va voir ce qu'il nous dit, on va voir ce qu'il y a les points à améliorer. Et puis voilà. Great job, my man. Improved a lot. Improved a lot. Only thing for you, I would say, is you need more width. Get wider. Okay. Everything else is great. As you get wider, make sure the stomach, the core stays tight. Just get wider for the Olympia. Bring this conditioning. And big improvement. What are the things that you need to bring to the Olympia to make, let's say, a top 10? Wider. Okay. Wider back. That's it. Wider back with this conditioning.
position, nous on a eu l'attente prioritaire. Les amis, bon, il est l'heure de faire un petit débrief de ce week-end à Rome. Sur la compétition, je peux dire que du bien, vu que j'ai gagné. Tout s'est vraiment très très bien passé, que ce soit de l'organisation jusqu'à la fin. Franchement, tout était carré. Je tiens vraiment à remercier Barbara qui a fait et Chérou qui ont fait un très bon travail parce que franchement, il n'y a pas eu de retard au niveau du meeting pro. On est arrivé, on a été pris en charge tout de suite. C'était clair, concis. Les conditions étaient agréables, bel hôtel, etc. La salle au Cine Studio, franchement, tout était bien. Les équipes de TAN étaient au top. Ils ont fait le job comme on avait besoin. Les backstage, reste les backstage en IFBB, donc c'est pas la folie, mais c'était pas mal. Et après, franchement, on a été chouchoutés par tous les gens qui bossent là-bas. Donc franchement, c'était vraiment sympa, vraiment content d'avoir fait cette compétition. Parce que en plus, je l'ai gagné. Hein. Et puis voilà, non, franchement, c'est un très bon souvenir. Parce que maintenant, pour moi, c'est déjà du passé. Là, je suis déjà focus sur Alicante, là, qui est dans 6 jours maintenant. Donc on continue à bosser, on continue à progresser. On continue à vous partager un maximum de contenu parce que ça me fait plaisir de le faire et je sais que ça vous intéresse aussi et qu'on avance ensemble. En tout cas, hâte d'être à Olympia parce que ça va vraiment être un voyage de fou. J'arrive toujours pas à réaliser. Je pense que je réaliserai quand j'aurai vraiment mon nom sur la liste des compétiteurs olympiens. Mais pour l'instant, c'est encore un peu flou, un peu une utopie pour moi. Mais voilà. En tout cas, le job est fait. Après ma deuxième année en pro, je vais enfin à Olympia. Franchement, je suis content. Ça, j'ai pas mis trop de temps, trop de compètes pour me qualifier. Donc ça, c'est vraiment de bon augure pour la suite. Et puis l'avenir nous dira ce qui se passera à Olympia. Mais avant ça, comme je disais, il y a Alicante le week-end prochain, puis le Portugal. On a l'Arnold Classic UK qui est en septembre. Donc encore une année un peu chargée. Mais tout ça, c'est bien parce que ça va me permettre justement de montrer auprès des juges, que des juges différents me voient et que mon nom, au final, soit un peu connu quand j'arrive à Olympia et que je ne sois pas juste le Frenchie, tu vois. Donc ça peut être vraiment pas mal. Justement, on sait qu'il y a un peu de politique dans tout ça. Il faut avoir une hype, etc. Donc, faut faire des compètes, faut faire des bons résultats, faut être actif sur les réseaux, tout ce que j'essaye de faire. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne paye pas. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir visionné ces vlogs, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser un petit commentaire et un pouce bleu et à vous abonner, histoire que la chaîne monte, même s'il n'y a pas énormément de contenu. Nous, on ne va pas tarder à embarquer. Écoutez, je vous dis encore merci, passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt la team.